Bonjour, bonsoir la famille, dépendamment de qui côté ou même avec chance, ou étant de garder l'émission ça. Moi, côté rentrer la caille, nous, eh bien, nous connaissons aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui nous a gagné pour nous déposer toute émission que Philippe lui-même lui a fait pour sans retirer ni ajouter un là-dedans. Mesdames, messieurs, je ne depuis le commencement jusqu'à la fin, nous pas retirer un rien là-dedans. Nous mettons tout net là pour vous parce que nous déposons tout ça. C'est vrai ou même, famille, ou qui doit parler, mais Guy Philippe. Sous pareil mail, je conseille de faire des émissions. C'est vrai, ou carré, mais Guy Philippe, toujours dit nous ça, nous n'avons pas de problème ensemble avec le pays d'Haïti parce que nous sommes haïtiens, nous sommes des compatriotes. Dans ce pays, il y a là, mesdames, messieurs, ou même, ou pour t'arrêter mes pays à sortir là-dedans. Moi-même, t'arrêter mes sortir, mais il n'est pas capable de retirer tête, laisser au monde, c'est un beau compatriote qui pour aider nous retirer pays dans ça qu'il y a là. Et bien, mesdames, messieurs, personnage a déjà là, Guy Philippe, on va le quitter nous tendre. Simplement, je remercie vous-même qui cliquez sur la vidéo et me dis merci à vous-même qui êtes abonné. Si vous êtes abonné et souhaitez mes travaux que nous-mêmes avons fait, je encourage vous faire ça parce que c'est ça qui nous fait à chercher des informations qui améliorent pour nous voter pour. Donc, j'aime dire nous, je encourage vous à faire une vidéo sur la famille. Je suis quoi ou pas regret. Non ou pas regret. Entendez ça avec nous, Guy Philippe. Allô? Oui, allô, allô, sénateur, comment vous? Très bien, très bien. Au contraire, là, nous recevons la direct live là. Et j'ai un contact au matin pour être capable de faire une réaction sur l'interview Premier ministre Gary Kouni. Il était matin dans l'émission Première occasion de Radio Caraïbe. Je pense que vous avez suivi tout matin, n'est-ce pas? Oui, je suis dans l'émission, je suis dans le Premier ministre. Et comment comprendre la situation pays à Jean là? Est-ce que vous sentez-vous convaincu par ça, M. Dio, positionné, Jean Demachli? Est-ce que vous sentez-vous convaincu? Est-ce qu'il y a espoir? Depuis que j'ai c'est mort, une révolution avec tout allié, nous, tous les amis, non? En janvier, et depuis le système, le statu quo, a fait tout complot avec complicité. Médias traditionnels, le complicité élite politique là, pour faire son et faire là, nous te disons là, pays à Brali. Pays à Brali, un équipe monde, un équipe amateur, qui n'a aucun projet, aucun plan pour sauver pays à, qui l'a seulement pour recevoir l'autre dans les étrangers, et c'est frontières, gens, un petit maquillage pour nous penser que pour aller mieux, et pour continuer à piller, craser, voler, déchirer tout ça, pays à gain. Wow. Moi, je crois que dernière rencontre, pour les ministres avec. Negio et même CBA, CBDA, nous pouvons lui-même illustrer tout ce que tu as dit. Parce que le premier ministre est bureau, Negio est bureau, pour ça c'est dans la situation, dans le côté ça, il y a une discussion sous pareil poste, sous pareil pays, jusqu'à ce qu'il arrive dans un problème. Donc c'est un petit rencontre entre vivants, entre intelligents, entre mafias, qui m'a passé. Alors, vous pensez que c'est en stratégie de communication pour redorer blasoni devant la population après incident passé Kaye et Gérard Gilles là? Il a dit que si mon équipe a fait que l'équipe qui l'a a dû nous aider nous vraiment résoudre le problème là, il a battu menti. Il va résoudre le problème là. Il vient prendre l'ordre et faire bagaille pour l'ambassade américaine car on tire sauver la France parce qu'il y a une élection en novembre. Tout ça qu'a fait là, il a fait tout en protégeant. Et tu vois, tu as novembre. Protéger intérêt, oui. Il y a fait un bagaille, il a fait une protéger intérêt. Mais ça n'a pas mené aucun côté. D'ailleurs, si le Premier ministre, avec M. le Président, et Macron, comment on lui parle ça encore, il y a 7 mois, 9 mois, si vous voulez résoudre le problème d'un pays, mais même, n'a plus bon côté. On sait les deux barrières qu'on a fait déjà. Qui sont les gens qui ont fait vraiment vrai, par exemple, pour résoudre le problème d'insécurité dans le pays? Aucun n'y est, parlez seulement. Comme quoi que les gens, leur tapis de grand pouvoir, ils vont connaître que ce sont de crise que le grand pouvoir. Soit tu as de grand pouvoir en Haïti, dans la condition qu'on accepte de grand, c'est parce qu'on est connu qu'on a des solutions, mais ils ont cabinet des. Les gens ne vont dire aucune solution, ils ne vont dire aucun plan. Et je dis à là, il y a une grande pause, pas autant, quitte, nous n'avons pas de temps. Nous pas de temps. Il faut que des gens nous capent pour ça qu'on résoudre rapidement. Mais c'est pas ça. Aucun monde n'a besoin de tranquillité. Il n'a pas besoin de tranquillité. Il n'a pas besoin de la paix publique. Il a besoin de continuer à quitter, craser, détruire encore, voler,
Britanniens, tout moyennant que Américains content, moyennant que international entre guillemets content. C'est ça qui vient, ce côté nous y a là, nous avons déjà dit, nous avons déjà dénoncé, en plus l'autre monde, et dans le mouvement révolution dénoncé, nous avons dit, c'est là, nous avons dit, mais, nous ne voulons aucun monde dit que Guy Philippe sont mauvais perdants, oui, mais c'est l'exemple pour ce pouvoir, que Guy Philippe a joué, a bagaillé parce que c'est pouvoir au besoin. Moi-même, tout ça, je bagaille. Bravo, c'est pour les ministres qui équipent. Si monsieur qui n'a pas de théorie qui équipe, de commencer où? Poser jalon, pour montrer que réellement, il y a combattu et écrasé le phénomène insécurité. Dans le plan, Jean-Noël Laria, dans le quartier, dans le côté, on a kidnappé, on a tué, et dans le plan social, tout, qui politique d'apaisement social qui est mis sous pied pour nous mener, peuple noir, vers un bonheur que l'abtonne depuis trop longtemps. Mais c'est ça que je ne vais pas l'empire, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire que l'opposition vient écraser, non. Opposition pendant l'affaire, opposition constructive, j'aimerais dire là. J'aimerais toujours dire là. D'ailleurs, révolutionnaire, dans le départ, nous disons révolution pacifique. Oui, mais. Et là, en tant que Premier ministre. Qui sont pensés, et pendant ce temps, monsieur a intervenu, pas aucun résultat de cabaye. Alors, si monsieur n'a pas de résultat, nous, la situation a beaucoup à pas gravé de jour en jour. Dans ce sens-là, est-ce que nous n'avons pas dit beaucoup, l'opposition a supposé beaucoup plus actif? Nous avons pour venir. Si nous n'avons pas capable, nous prouver une compétence. Bon, c'est important nous-mêmes pour l'évolution commencer. Non, pas oublier. Pas oublier le contexte du pouvoir. Son complot international et local pour barrer route à Guy Philippe et l'évolution. Tout ce qu'on fait là, c'est la ligne tellement la ligne, il n'y a pas accepté l'idée que Guy Philippe a été publié à venir sous pouvoir, venir changer le bagage. Même la majorité de la population réclame nous. C'est une confiance. International a un fois de plus avec arrogance lui, avec publicité pourrie à Haïti, il fait ça au fait à la. Donc, côté à la, il y a une complicité élite économique pays, il y a une complicité élite politique pays. La presse a travaillé avec eux, en général, presse traditionnelle là. Tout le monde a des droits de l'homme, tout ce qui tout le monde qui propose, le professeur Bagay, tout le monde ONG, et c'est à partir de ONG à manger, et c'est blanc qui finance ONG. Donc tout secteur mafia, ça, tout le monde qui connaît, qui est volé, écrasé, qui tente qu'on a parlé de commission vérité, commission justice, de amnistie, pour payer à la vérité, pour nous poser jalon, pour nous changer Bagay, ils ont tout mis tête ensemble, ils ont fait un complot, ils ont fait ça, ils ont fait là. Donc, quand il y a un débat, nous continuons, nous faisons des bagages, nous parlons, nous disons que, mais les guides écrasent les pays. Nous avons la presse qui vous dit oui, nous avons l'international pour répéter, nous avons tout le droit de l'homme, nous avons un gros secteur dans l'élite politique. Donc, nous-mêmes, nous devons prendre temps, nous devons battre temps pour prouver que vraiment, nous devons résoudre le problème et sécurité que le peuple noir a fait. Ça, nous dit, mais nous disons encore, nous avons plus que 90 jours pour résoudre le problème. Si nous employés, méthode pour nous employer. Mais j'ai celle-là, il y a un bagaille là, avec tank, avec chat. Il n'y a pas de sécurité avec tank. Il n'y a pas de sécurité avec chat. Nos styles de son âme, parce qu'on dit qu'il y a Uben, comment on va le faire? On va faire un génocide? On va faire un hélicoptère en l'air, une tire sur le peuple, une tout le monde? N'est-ce qu'il n'y a rien entendu? Il va reprendre un, il y a une équipe blanche qui pousse sur le dos, et cette blanche a un cap d'arrogance. Comme nous, il n'y a aucun nom à mon pays pour payer. N'est-ce qu'on dit à mener nous? Il a soif de pouvoir, il a envie de faire l'argent, il a envie de faire le blason, il a fait un bas de bon, il a venu faire sous peuple haïtien, il a venu faire sous Haïti. C'est ça, moi, ouais. Mais il y a un bagage. Face à un équipe incompétent qui va faire rien. Et qui va faire rien. Oui, sénateur, il y a un bagage, monsieur, et PM n'a dit jeudi là, qui attire l'attention. Monsieur parle de questions, dialogue avec Gangyo, et monsieur fait qu'on est que 50% dans Gangyo, c'est Timoun, entre 12 ans et 17 ans. Et ou même ou vient avec une proposition de commission vérité. Maintenant, qui différence ou pensez qu'il y a un autre de démarche? D'après le Premier ministre, parler du dialogue. Ça fait bon ça, dit non, de petit monde de 12 à 17 ans, dans la gang, tout le monde comme ça. Nous, tout le monde, nous connaissons le problème. Nous connaissons le problème, c'est la fin, nous disons qu'il y a une solution. Dans le départ, nous-mêmes, dans la révolution, nous disons, mais qu'il y a une solution, mais j'ai pour le faire. Pour nous abriver, mettre la paix publique. Pour tout le monde, est-ce que vous avez un ministre qui dit là, dans un mois l'école a prouvé, ou bien dans deux mois l'école a prouvé,
Est-ce que le bon plan pour tout le monde, toute zone, Matisse, quoi de bouquet à l'école? Est-ce que le bon plan pour le monde qui travaille dans la zone ça, qui travaille dans la zone, en toute tranquillité? Est-ce que le bon plan pour faire que le monde qui a vaqué en occupation, tout risque à rentrer dans le pays? Non, il a parlé, il a voulu monter, il a dit, mais qu'on se fait, tout le monde est comme ça déjà. Mais l'on accepte le pouvoir dans la condition où accepter le pouvoir dans un pays qui est dans la crise que il y a là. Tout le monde est tout ça, on se fait. Donc c'est comme si vous voyez l'équipe qui prend le pouvoir et puis on a un. Il a retenu, il a regardé, comme si c'est bon Dieu qui a soutenu celle-là. Encore une fois, le problème nous vient, il est difficile, il est. Mais avec un bon plan, en 90 jours, sécurité qui a retourné dans le pays. C'est ça qui est intéressé. Pour que. Le petit monde, 12-17 ans. Sauf que vous pensez, sénateur, vous pensez. Haïti, non. Vous pensez Haïti, non, phénomène, ça a passé. Vous pensez que c'est parce que y a un problème avec vous personnellement qui fait que y a plus à essayer de prendre pour l'Hollande et la commission de sécurité a pour pareil utiliser l'autre langage, mais c'est toujours même Ido là où t'es venu avec là, qui c'est comme commission de vérité. Est-ce qu'on pense que c'est même plan là, mais y a pas remé personne noir? Y a pas remé la personne de Guy Philippe, mais y a battu pour voler Ido là, y a connaissé ou bien qui a venu avec une solution, mais y a battu pour passer dans le coup. Est-ce que c'est ça qu'on comprend dans la démarche là? Pas de problème, nous voulons voler l'idée. Mais maintenant, si vous avez sauvé Haïti, si vous avez changé le pays, idéalement, il va pour moi encore le public. Okay. Si vous voulez adopter, si vous voulez mettre en œuvre, en application, nous sommes trop contents. Pour peuple, nous allons souffre. Pour nous qui retourner la carrière, pour nous à l'école, pour nous à le travail, pour tout risque à venir dans le pays, pour créer une richesse dans le pays, pour nous soutenir la misère de venir. Le problème, c'est que nous n'avons aucun plan. Le problème, c'est que les gens viennent là, ils ont un pouvoir d'ailleurs, ils ont travaillé pour pouvoir, ils connaissent pas aucune légitimité, ils connaissent que n'importe qui le, ils ont capoté. Donc chaque grand jour passé pour l'exercice sous pouvoir, c'est qu'ils ont fait plus comme, plus comme, plus comme. Pas de grand projet national, pas de grand projet pays. Et si ma sujet parle là, c'est que vous évoquez une véritable crise de leadership, oui là, vous évoquez une question de incompétence, n'est-ce pas de plan, il n'y a pas aucune vision, il n'y a pas de côté où aller. So, ajouté avec crise politique là, nous n'avons fait face à une crise de leadership. Si nous constaté comment n'est-ce pas réuni en Katimi, au grand pour discuter position, pouvoir, comment il a déchiré pouvoir, mais et puis peuple là lui-même. L'inamise à mer, gang a ravagé, grand goût insécurité pendant ce temps, nèg yo gagne 3 mois pour gagne 4 mois. Peuple a pour que j'aime senti que nèg yo a pensé pour lui. So, est-ce que d'après ou même ou senti une véritable crise de leadership, absence de vision, absence de compétences, un lac clair de compétences? Alors, situation ça là, li capable vinn permettre à ce que pays a vinn plus grave que jeune grave la situation là. On va garder son absence de leadership. Même qui l'a lancé leader, oui. J'aime bien le lancer leader parce qu'il a mené mon. Mais il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de l'amour au pays. D'ailleurs, depuis 30 ans, c'est au Cap-Cras, le pays a capturé le pays. Est-ce qu'on pense que c'est un hasard? C'est pas un hasard que les États-Unis d'Amérique, en tête à CARICOM, mettent 9 mounes à hausse au pouvoir. Regardez chaque carte de chaque côté mounes à hausse aussi, qui a pu représenter le pays aujourd'hui. Vous pensez que c'est pas un hasard que les États-Unis choisissent un monde qui. Qui te dit lui-même qu'il va dans la politique en Haïti, qui t'a vu aux États-Unis, qui en dehors de réalité, a quand même compris la réalité, nous prenons le premier ministre. Vous pensez que c'est par hasard? Pourquoi c'est un jeune dans l'insécurité, ZAM? Regardez quoi de ZAM est sorti. Regardez qui est-ce qui devait fédérer tout groupe armé en Haïti. Regardez qui est-ce qui aidait, obligé, de craser toute usine en Haïti, toute sainte gagne, qui crase production agricole, qui crase du ruine. D'ailleurs, le président Clinton reconnaît ça devant l'ONU. Que c'est lui-même qui a une plus grande cause que Dieu lui a en Haïti. Mais gardez pour eux, je n'ai pas ce problème, ça n'a pas là. Gardez pour eux qui y a sur le plan pour représenter le pays. Gardez pour eux qui, comme on a dit, mettez toute force pour imposer l'équipe ça à travers la presse traditionnelle, à travers les gens qui t'ont parlé, ou M. Soin 10 ans, t'as fait opinion. Pour qu'ils ne braquent pas l'autre côté, que côté ni là, je dis là. Ce n'est pas que nous avons un leader, mais c'est l'idée pour craser le pays. Mais, et sénateur, et M. Jiko, tu es entreprendre des alliances avec et Claude Joseph et Moïse Jean-Charles. Tu es capable toujours dans la transition là. Tu es capable toujours dans la transition là, je ne dis pas avec et Claude Joseph et Moïse Jean-Charles. Mais parce que nous connaissons fait alliance. Je cherche pour voir. Je ne sais pas si je suis un bon
Ben la moune pas comprendre. Tout ça qui fait me content, c'est bonheur peuple moi. Tout ça qui fait me content, c'est Haïti pour bien, qui pour bon. Si nous avons le pouvoir, qui veut le pouvoir, nous créons des pays. Oui, mais pas mais sénateur, ou pas qu'à changer rien dans le pays si nous si sans pouvoir, non? Mais c'est ça que nous si on a une idée, nous, on a toute notre idée, tout est bon pour que l'Haïtien, ou même on a mettre dans l'application. Même si ce n'est pas au clair. Ok. Parce que le changement a fini. Le changement là, c'est le changement de besoin. Ce n'est pas qui nous dit qui est-ce qui va se pouvoir, non? Mais est-ce que le changement a fini? Est-ce que le pays a transformé? Est-ce que le pays a changé? Est-ce qu'on a créé richesse? Est-ce que le peuple a pris une dignité? Est-ce que Haïti a joué une souveraineté? Mais si pas de volonté, à sénateur, si pas de volonté politique, là, on a carence en matière de leadership, et vous venez paraître, vous avez un peuple là, comment le peuple a été accueilli, en tant que vous avez l'espoir dans vous-même, vous faites tout pas pour ville là, ou dans l'état pays ailleurs, ou pendant 30 dernières années, ça, comment la situation pays a effondré. D'ailleurs, c'est peut-être ça, ou même, vous êtes inscrit tête ou non démarche, pour être venu sénateur, pour te représenter le département là. Et où est malgré si ils ont fait à l'étranger dans la prison, leur tournée où est bagarre la vie plus mal et c'est ça toi t'es engagé dans la bataille pour te voir Ariel Ali. So, je ne dis pas si l'espoir peut placer sous lié dans la révolution ça, bon, c'est très important pour je ne dis pour dans la situation ça, pour où est rôle, pouvoir pour changer conditions socio-économiques et population, faut y avoir espoir dans vous-même, dans le leadership là. Nous avons toujours là, et le papa, c'est que depuis le Nexa, on prend pouvoir, nous croisons les bras. Nous n'avons pas fait opposition et règne public a demandé la oppression dans 90 premiers jours. Hola, sénateur. Nous parlons avec les leaders de notre pays, nous avons cherché de bons gens alliés et des amis pour Haïti, nous avons travaillé. Pas parce que nous croisons les gens qui disent que nous avons détruit le pays, non. Nous avons travaillé, et à partir de août, je me déboule mes biens, je suis venu pour me parler, pour me faire état des lieux, pour me dire que je n'ai pas rien à y travailler, pour me dire que ça me passe. Comment faire? Parce que de toute façon, pour nous faire un peu de monde vraiment veut qui appuie et aide nous, accompagner dans le mouvement de révolution, mais bonheur les pays, sauver, ça peut sauver les pays, c'est les pays lui-même. Ça peut sauver Haïti, c'est peuple haïtien lui-même. C'est peuple haïtien pour camper dans le conseil monde pour nous demander et pour nous réclamer et exiger changement. Oui, mais faut. Il y a besoin de leadership solide. Il y a besoin de leadership solide qui peut orienter yo et guider. Parce que si le peuple a pour contre. C'est ça qui est un leader solide, il faut être responsable. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire un leadership. Moi-même, je suis révolutionnaire, même pour anarchiste. Ok. Je suis anarchiste, moi. Je suis révolutionnaire, oui. Je suis anarchiste. Je ne peux pas accepter pour payer, obligé de bouler, craser, détruire pour me voir. Ok. Et je ne peux pas accepter tout pour me vendre, pour me continuer à voler, craser l'économie pays, pour me garder son pouvoir, pour me faire patron, homme blanc, plaisir. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, pour que nous agissions en leader responsable. Et après, on a agi en leader responsable. D'accord, avoir responsabilité. Je te promets que tu as baissé sécurité, mais je te promets que tu as mis le pays à ce bout-là. 90 jours après, je dis, on n'est pas fait. Waouh. Donc, nous, le coup là, pour nous-mêmes nous faire constater chez ça, et pour nous dire, population, encore une fois, pour nous parler avec, pour nous dire, mais ça qui fait, mais Jean Noël, mais qui s'en pense, et mais qui route pour nous suivre. Moi-même, comme mon responsable, n'a fait ça bien, pour nous dire, mais qui s'en pense. Wow. Malgré toute pression, malgré toute bagaille, nous connaissons que Blanc va venir, nous connaissons que l'international, soi-disant pays ami d'Haïti, va venir, nous connaissons que la police la raïme, seulement parce que il faut que des vérités. Il faut que des vérités sur comment nous faisons vivre côté de Niala. Haïti va côté de Niala par hasard. Son plan, qui est élite politique, élite économique, avec l'international, États-Unis et consorts, qui mène Haïti côté de Niala. Et nous avons besoin de nous cap devienne si le peuple ne va pas comprendre ça et pas ouais que c'est vrai, c'est ça dit. Et grâce à Dieu, j'ai le peuple nous en livre. J'ai le peuple nous en comprendre la vie bagaille. Mais ça fait le principe pour nous pacifier le pays, pour nous reporter la tranquillité. Et dans la rue, nous te dit, il faut guérir aux commissions vérité, commission justice, faut que nous bâillons certaines amnisties pour nous faire une réinsertion sociale et pour nous réconcilier le pays avec le peuple. Mais tout problème n'est que c'est commission vérité. Il n'y a pas de parler de commission vérité. C'est ça qui fait un ballon de dialogue. Quand on va parler de réconcilier Haïti, le même n'est qui crase le pays, même n'est qui armé jeune garçon à jeune comme ça, même n'est qui paye
ont fait une série de bagailles dans la rue. C'est eux-mêmes qui ont dit à Cotimon des affaires. On pense qu'il n'y a jamais quitté le peuple en vérité. Qui va la faire en vérité? Les mêmes qui ont tué le président Jovenel Moïse. Ils ont dit à Guéret dans le palais national, Guéret dans le primature. Guéret qui a dirigé le pays comme soi-disant conseil présidentiel et Guéret dans le primature. On ne connaît jamais le peuple connu comme président Jovenel Moïse. Il y a toujours. Le président Jovenel Moïse, pour accueillir, pour s'enrichir dans l'intérieur des Haïtiens, nous devons voyager à la Turquie. C'est pour ça que le président Moïse. Eh bien, so, vous pensez que c'est une révolution de Kevin Ball justice ou pas? Révolution, pour l'instant, une révolution arrivée quand même. Bah, il va pas facile parce que les deux siècles qui ont crasé, ils vont 30 années que faire. Tout ça, vous voulez, tout l'argent payé en amène, vous contrôlez tout le système, non? C'est pas mal, c'est difficile. Mais même j'ai arrivé là, la révolution va avancer jusqu'à ce que nous jouions à ici que nous revenons. Parce que nous ne pouvons pas bailler les gars, nous ne pouvons pas croiser les bras qui ont crasé les gars. Nous débarrons ça, tout en de grâce ça, pour nous prouver, nous pour montrer que nous avons un plan, que nous voulons aider les pays à se consacrer là. Mais malheureusement, il n'y a pas de plan. Malheureusement, nous étions des risques avec. Où t'es bataille, où t'es bataille, où t'es bataille. L'ambassade américaine qui a prédit tout de suite. Tout de suite, malheureusement, c'est l'ambassade américaine qui a prédit. Vous menez deux batailles en dedans pays. Vous avez bataille contre Aristide et vous avez bataille contre. Vous bataille pour vous et Ariel Ali. Et nous, malgré ça, nous avons monté pour pouvoir un sérieux va régler. Qui, avec qui pressentiment senti? Est-ce que vous sentez que et bataille ou pas de résultat? Ou bien vous pas sorti spectre ou pas jeune? Ou bien est-ce que vous sentez que le peuple n'a pas obligé de tant nous pour une troisième révolution, une troisième bataille, at least avec l'espoir que ça va de résultat? Professeur, moi, t'as en pile. Et nous connaissons une histoire. Révolution contre un ville temps. Ma boîte d'exemple. Révolution Thomas Sankara, qui commençait en 1983. Vous voyez, c'est Kounia que Traoré a continué avec, puis arrivé côté, vous voulez arriver avec Burkina Faso. Qui était votre volta, n'entends ça? La révolution française. Même là, tout n'a pas parlé de la prison de Bastille, 789, toute bagaille. Révolution vraiment pour nous, une forme, une république qui l'a. C'est après les communes, 1870. C'est parce qu'on s'y est après, oui. Parce qu'ils continuent les batailles, ils ne vont pas les gains. Ils continuent à réclamer, dénoncer les amis ouverts. Ils ne vont pas les gains. Ils cherchent à venir une tranquillité, calme et richesse qui a vu, je dis bien que, même en France, ils ont plus que trois siècles d'avoir volé, puis écrasé. Et ils vont faire un travail pour eux gratis, pour les esclaves. Ils volaient tout sous sol. Et l'Afrique, oui, ils ont un avantage ça. Nous pas ça. Mais quand même, nous sommes un petit pays, nous sommes une petite île, nous sommes capables de jouer un bon peuple. Si nous mettons nous ensemble, si nous continuons pas. Une conviction, bataille allemande et endurance, constance, c'est ça pour nous faire comme peuple. Et n'a brisé. Et nous connaissons. Nous avons entendu tout complot, malgré tout complot international, tout complot classe politique, secteur économique en Haïti, contre nous, contre l'évolution, contre les gars, justement parce que vous avez nous changer de base, l'État ça, vous voulez continuer à craser sous ses pieds, n'a brisé, il n'a bien. Sur les Amazon, n'a bien. Ok, et bon, d'accord avant dans ce sens ça, et vous très élaboré, et ça fait nous plaisir. Est-ce que vous pensez que, en quelque sorte, ces élections, et c'est à partir de l'élection, on a privé à coucher la révolution pacifique là? Ça va dépendre du peuple haïtien. J'aime toujours dire, principe souverain, souverain, c'est dans le peuple à résider. Le peuple là, c'est le Haïti. Bien que nous avons une démocratie représentative, c'est vrai, le peuple là, non, mais monde qui peut aller diriger pour lui, aller prendre des décisions pour lui. Mais dans le cas, je vous dis, nous avons un monde là. Qui exerce une fonction dans le pouvoir exécutif, ça, que ce peuple a décidé. Le peuple n'a pas voulu nous représenter. Le peuple n'a pas un mandat. Donc, nous avons agi dans l'intérêt du peuple. Alors, qu'on aime, est-ce qu'on a fait un mouvement? Est-ce qu'on a fait un levé campé? Parce que nous allons demander ça pour le faire. Nous allons dire, mais ça ne va pas pour nous faire. Nous allons dire, mes problèmes, il faut qu'on résout les problèmes. Est-ce que c'est à travers un levé campé que le peuple va décider? Est-ce que c'est à travers l'élection? De toute façon, dernière décision, c'est dans le peuple haïtien. C'est vrai, le peuple a aidé, c'est vrai, le peuple a quoi dans moi, c'est vrai, le peuple a montré, il est vrai. Il m'a dit, côté pour m'aider au saut dans sa rue là. Mais c'est aussi vrai que le système n'a campé en face et le système n'a fond. Je dis à ce que nous prouvons le système là que nous puissions que nous. So, est-ce qu'on pense sourire, sénateur, est-ce qu'on pense si le peuple a marché avant l'élu? Est-ce qu'on pense leur arriver au pouvoir? Pas de si. Faut que le peuple a marché. Oui. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Sous, l'arrivée dans le pouvoir ou prend contrôle pouvoir. Révolution arrivée dans le pouvoir. Ok. C'est une question de temps.
révolution a brûlé parce que c'est ça la diaspora haïtienne, dans tout partout dans le monde, c'est ça le peuple haïtien qui vit ici dans Haïti. Donc la privé. Alors, inquiétude, mon yo, capitaine de me la poser question, c'est que yo dit que Jovenel Temoud est arrivé sous pouvoir, yo bay coup d'État, instabilité politique, crise sous crise. Alors, si vous arrivez sous pouvoir, révolution d'arriver sous pouvoir, qui, comment penser contrecarrer des massacres pour vider pouvoir régime là? Mais une fois, yo assassiné et système assassiné président, crasé président, j'ai Jovenel Temoud, et yo se vraiment vrai, ni avec président Lecomte, ni avec président Jovenel Moïse, yo montré ni une puissance, yo fort, yo capel, même avec des salines nouvelles. Mais nous-mêmes, ça qui me dit tout ça au commencement, nous connaissons aimé l'histoire, nous t'adou en pile. L'histoire montre comment pour nous dire que nous avons tout. Nous ne pas élaborer là, nous ne pouvons pas aller de ça. Nous ne pouvons pas aller de ça. Et nous avons été connaissés. Stratégie nous. Mais de toute façon, nous disons que le peuple haïtien a bien raison. Et le peuple haïtien n'a pas attendre encore. Nous ne pouvons pas donner pour nous dire que nous avons retourné la caillou. Nous avons fait ou bien nous avons retourné la caillou, Matisse, ou bien nous avons retourné la caillou, Guadeloupe. Nous ne pouvons pas donner pour nous dire que nous avons l'école ouverte. Il faut que vous allez à l'école avec des classes pour vous, vous ne pouvez pas attendre pour nous les malades dans la section communale pour dire que nous avons une santé là. Vous ne pouvez pas attendre encore. Donc nous, on est sous pouvoir, pas venir pour la poison, vous ne pouvez pas attendre. Pourtant, d'ailleurs, mandat pour voir ça, l'a fini en février 2026. C'est ça qui signe. Et autour, il va y avoir des prolongations là-dedans. Et je n'ai pas aller là où il n'y a pas rien à régler pour vraiment régler à organiser l'élection l'année prochaine. Pour question corruption, avec sanction, comment et sans penser qui approche, qui démarche, vous pensez qui est plus approprié pour combattre la corruption dans le gouvernement? Moi, c'est haïtien, c'est nous-mêmes qui mettons balises, mais des lois, et puis des mondes sérieux pour protéger le pays pour nous craser la corruption. Pour question sanction, nous parlons là, pour nous dire sanction, il faut que nous, ambassadeurs américains, nous dans l'islam, ambassadeurs canadiens, nous dans l'islam, ambassadeurs français, nous dans l'islam. Parce que c'est eux qui ont le système de corruption en Haïti. C'est eux corrupteurs. C'est eux qui ont payé l'argent. Et c'est là qu'il y a l'argent à tourner encore. C'est Saint-Domingue, c'est États-Unis, c'est ça. C'est là tout l'argent pays a volé ou allé. Si vous avez aidé nous, vous avez aidé nous. Vous avez aidé nous. Tout le système, tout le monde a dit, nous avons de l'argent fait. Mais vous avez dit non. Eh bien, qui dernier mot? Avec un plan, avec vision, pour venir aider les Haïtiens en réalité. Mais corruption, c'est pas le premier pays qui a une corruption là-dedans. Mais nous-mêmes en Haïti, même si l'autre pays a crasé là, on a crasé le dos. Nous avons une intervention pour faire pour parler avec le peuple là. Et très prochainement, qui dernier mot gain pour dire avec le peuple là et par rapport avec la révolution et dans le jour qui a venu là? Moi, je demande au peuple là pour comprendre que des séances sont dans le même. Tout le monde est sous bluff là. Pas pour mon légitimité, pas pour mon illégal là. Premier ministre, c'est pété, tout le monde s'est sous-bluffé, son pouvoir est volé. Que Blanc a sauté, volé. Allô? Allô? Il a perdu le sénateur. Il faut nous réclamer. Mon qui dit au sous-pouvoir, pour créer des conditions pour tirer à l'école. Pour créer une richesse pour nous qui avons travaillé dans le pays. Et pour assurer que jamais plus, nous ne retourner vivre le cauchemar que nous vivons depuis 3 années, depuis l'heure où nous avons assassiné le président Jovenel et même avant. Donc ce peuple-là, moi je dis que c'est lui-même, c'est lui qui force là. Ce n'est pas Blanc qui force là, j'en ai que vous voulez faire une comprendre là. Ce n'est pas classe politique pourri ça, qui assaut ton pouvoir, voler avec Blanc, qui met le pays à ce peuple-là. Donc c'est ce qu'on dit mieux. C'est ce qu'on Haïti, c'est ce qu'on dit Haïti. C'est ensemble, c'est un peu pour nous ensemble. All right, ok. Bon, sénateur, nous vous merci et nous bon rendez-vous et prochainement. Et nous invitons tout le monde qui t'attendait, sénateur Lague, pour faire une intervention très prochainement pour le mettre pied à la terre, pour le capable de faire nous de ce qu'il en est de révolution. Sénateur, merci pour l'intervention. Ça nous fait nous plaisir. Ça fait nous plaisir. Et pas oublier, nous gagnons encore, nous avons sénateur encore le 18 août avec nous dans Manhattan. Et Napton, oui, sénateur. Réduit? Eh bien, ok. Merci, sénateur. Passez bonne journée. D'accord, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bon, et mes chers amis, nous avons gagné un sénateur Guy Philippe avec nous là, je dis à la.
et nous t'attendons des lits, nous t'attendons des prises de position, nous t'attendons des remarques qu'il fait, nous t'attendons toute intervention par rapport à avec que Jean-Pierre a dirigé, Jean Bagayoye était en bas, pas d'espoir encore, et peuple là, par contre ça vous le fait, nous le livrons pour compte nous. Bon, et bon, c'est que et démarche ça, son démarche qui est inscrit tête là-dedans pour m'aider nous comprendre et vision. Sénateur là, dans la démarche li. Et nous comprenons aussi que sénateur la victime de complot négo, de complot société et classe politique non, et de l'international là en quelque sorte. Et nous voyons que sénateur a toujours été la bataille, il n'a pas give up, il n'a pas abandonné. Il fait nous comprendre que la mené bataille là, et Jean dit là, il n'a pas défini stratégie de bataille là, mais il fait nous connaître que la pas avancé. Avec nous. Moi, grand pile monde qui a dit que le sénateur n'est pas convaincant. Bon, faut nous d'accord que le sénateur va venir exposer la stratégie de bataille là. C'est normal, tout le monde n'est pas d'accord. C'est normal, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui ont une position par eux. Il y a des gens qui t'a comprendre par l'autre gens. De même aussi, moi-même, et pas tout ça que dit. Tout ça, le sénateur a dit que m'appuyer. Mais je connais que clair, il y a une nécessité pour révolution en dedans pays d'Haïti. Parce que toutes les conditions sont réunies pour révolution en dedans pays d'Haïti. Maintenant, on a regardé ces journées aujourd'hui, espoir là, c'est dans la révolution. Kovlil, Kovavlil. Et avec sénateur ou sans sénateur, condition pour révolution, là. Pas de menti la donne, qu'on voulait le coup parler, son deuxième révolution liée. Maintenant, il faut comprendre que les enjeux qui attachaient avec la situation, ça. Vous comprenez? Les enjeux. Alors, il faut comprendre que dynamique, ça, c'est pas une dynamique aussi simple. Il demande pour un pile réflexion, il demande un pile mobilisation de ressources, il demande un pile organisation, il demande un pile tactique. C'est bon, baga ou capable de comme ça, alors, on dit. Parce que, femme, dis-nous bien, terrain, négo, dangereux en bas. Et si nous changeons bien comment nous avons aller sénateur sous fil pour te poter tête l'ivini, comment nous avons aller sénateur sous fil pour te dire salver, c'est-à-dire terrain vraiment dangereux en bas, c'est-à-dire pour sénateur obligé de faire tact. Ok, si nous avons fait un complot pour faire arrêter sénateur, je le prends et prêter serment en tant que sénateur, pas grand qui est possible à négocier. Si nous avons fait un complot pour assassiner et 6 Bessap, agent Bessap, pendant sénateur la tête, te descend en bas, Port-au-Prince. Nous n'avons pas rien qui est possible que nous n'avons pas fait. Mais cependant, Jean sénateur l'a dit, si nous avons assassiné Jovenel, il a assassiné le comte, il a assassiné et des Salines, et nous apprenons de l'histoire. C'est-à-dire que sénateur là a des stratégies qu'il a développées pour contrecarrer l'attaque sa yo, pour contrecarrer et coup mafioso ça yo, et n'a pas prendre de l'histoire de ça aussi pour nous connaître que nouvelle révolution ça dit pas gain droit à l'échec. Et c'est ça qui fait gros côté me comprendre sénateur là dans prudence li. Dans prudence sénateur là parce que li pas gain droit à l'échec. Révolution ça que la prunelle pas gain droit à l'échec. Li pas qu'à faire tête chaud là dedans, son révolution qui doit faire tête fouette. Son révolution qui pas supposé faite en tête chaud, faut le bien préparer, faut le structurer, faut le organiser et faut peuple là comprendre nécessité révolution ça. Et m'a dit ça, je dis à là, c'est bon bagaille qui trop simple. C'est bon bagaille qui simple pour mener bataille révolution ça. Il y a pile monde qui doit trouver, parce que nous comprenons, situation un pays difficile, nous avons plus besoin de résultats rapides, et après 200 ans, nous n'a pas ces misères, et au moins plus de temps ça encore, tout le monde a besoin de résultats rapides. Mais il faut me dire un bagage qui est clair, très simple. Et l'évolution a accouché, la bas résultat, mais n'a pas prendre de l'histoire tout pour ne pas produire une série de erreurs. Ok? Conseil de erreur nous pas supposé faire. Et si nous faisons erreur, ça yo, la fatale pour nous ni pour révolution. Nous gagnons, faut nous bien structurer le mouvement révolution. Faut nous bien sensibiliser peuple haïtien sur nécessité révolution ça pour comprendre dynamique là
et pour nous bien en quelque sorte mobiliser les ressources nécessaires que a besoin pour nous combattre, pour nous faire révolution ça. Parce que les adversaires, le système est puissant. Système 1806, pétionniste, mulat, syro-libanais, ça est très 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 puissant. Et l'Occident, l'impérialisme américain, il est très puissant. Nous voyons comment ils ont opéré en dedans pays d'Haïti. C'est-à-dire que si je ne veux dire nous inscrire dans une démarche révolutionnaire, il faut que nous clairs, nous conscients, en pile d'études qui vous faites, en pile stratégie de repenser, repenser, parce que nous avons droit pas à l'erreur. Révolution, pas de droit faire erreur. Il doit accoucher, car les conditions sont là, conditions réunies pour révolution faite. Mais, m'a dit nous ça, il n'est pas qu'à faire dans tête chaude. Il n'est pas qu'à faire dans le parler en pile. Il n'est pas qu'à faire dans le courir dans le bruit vidé. Il n'est pas qu'à faire comme ça. Et c'est un bagaille, en quelque sorte, m'a dit aujourd'hui là. Et m'espérer sénateur là, dans je parle, il y a là, nous capables de comprendre la dynamique là. Sénateur là, pour une posture de méfiance vis-à-vis de classe politique là. Et si nous remarquons bien, la classe politique traditionnelle ça, ce sont ces jouets systèmes là, oui. Médias traditionnels ça, ces jouets systèmes là, qui travaillent, qui opèrent pour système là. Classe bourgeois, milatio libanais ça, c'est opérateur système là, qui kembe système là, qui fait que je dis à nous là. Alors, il faut être conscient. C'est une révolution responsable, c'est une révolution consciente, c'est une révolution en quelque sorte qui inscrit tête-li nos perspectives de résultats. Révolution, ça n'a pas gagné droit à l'échec. Et après, dis-le encore. Après, dis-le encore. Bon, bagage sénateur a dit qui attire l'attention et qui est extrêmement intéressant. S'il a dit que il n'est pas vraiment des cours de pouvoir, mais il n'a rien, mais peuple, il y a en quelque sorte pour peuple là et comprendre dynamique là, pour peuple là à épouser ça l'a fait parce que c'est bien-être peuple là, les besoins. On nous doit avoir ça comme une naïveté. Et pas vrai. Et pas vrai, pas une naïveté là. Il est conscient, bon conscience où doit gagner de état des lieux. Et c'est un homme de terrain, c'est un stratège. C'est-à-dire que lui son de terrain, hein, lui comprendre en jeu, lui ouais dynamique et système non, et en quelque sorte, lui compte pour qui raison inscrit tête lui dans des massa pour éviter en quelque sorte ça a été fait, ça t'est passé à pour des monde qui veut mourir sous brali. Parce que lorsqu'on leader, en quelque sorte, ou doit responsable, un leader responsable, en quelque sorte, c'est pas un leader qui prend mouni, qui prend followers, qui prend moun qui avait le mené à la boucherie. Mais il doit mesurer, il doit envisager, analyser, faire ça ou des threat assessment, risk assessment, pour le garder qui threat, qui menace, qui pesait sur l'évolution, pour le garder qui threat, évaluation, ça va pas permettre, en quelque sorte, asseoir des stratégies solides qui vous permettent lui en quelque sorte éviter menace ça éviter trait ça neutraliser et puis pour la coucher résultat qu'il besoin. Alors faut me dire nous bien. Alors c'est pas un bagage qui facile mais cependant si tout le monde met main dans la pâte pour révolution ça, si tout le monde met main dans la pâte pour comprendre dynamique révolution ça, nous même beau ça nous clé sur ça, révolution la pied quand même avec sénateur Guy Philippe ou sans sénateur Guy Philippe, c'est révolutionnaire. Pas de ou de pas boire. M'a dit ça je dis à la pour tout le monde qui a prêté attention à ça m'a dit là. Où est révolution ça? Révolution ça, c'est pas affaire Guy Philippe lié. Et Jean Guy Philippe se dit là, c'est l'affaire peuple haïtien. Nous même Bossal nous déjà organisé tête nous. Les conditions, la nature, le monde visible comme invisible déjà avec nous dans la révolution ça. Nous pas de peur pour une paix. Quitte avec Guy Philippe, révolution a fait. Sans Guy Philippe, révolution a fait parce que révolution, le moment est pour la révolution. C'est le temps de la révolution. C'est pas le temps de la politique, c'est pas le temps de magouille, c'est pas le temps de la corruption, c'est pas le temps de l'instabilité, c'est pas le temps de coup d'État, c'est pas le temps de l'assassinat politique, c'est pas le temps de toute crise systémique ça, mais c'est le temps de la révolution. C'est le temps où chaque petit peuple ça, peuple pays d'Haïti met tête ensemble. OK, pour yo capable dynamiser vent révolution ça, orienter le canaliser le, et puis pour nous jouer un résultat. Et là on dit ça femme bien, femme dit nous bien pour nous comprendre. Les enjeux sont de taille. Nous pas capable n'a parler de révolution pour nous penser ces jouets. Les enjeux sont de taille et c'est peut-être ça moi-même moi dit que nous mettez des garde-fous et leadership révolution ça, la réfléchir en pile sous des stratégies de terrain
quand je dis des stratégies de terrain, des stratégies de terrain, pour nous capables, en quelque sorte, déraciner le système, ça. Si nous dit déraciner le système, non, comme ça me l'a dit, nous avons déjà réfléchi à un nouvel ordre social, à une autre société haïtienne beaucoup plus juste, côté que toute fille, toute garçon en dedans société a, qu'à vivre tant que monde. C'est notre dignité de peuple, c'est notre dignité de, en tant que, et notre souveraineté nationale, sécurité nationale, nous, qui en jeu là. C'est mon question de, si prend pouvoir, c'est si c'est là. Mais quoi faire avec le pouvoir? Nous besoin pouvoir, ok, pour nous dynamiser force nation, pour nous camper bataille, c'est pas le temps de la diplomatie, c'est pas le temps pour nous avoir un dialogue monté, mais c'est le temps pour nous réfléchir à une autre alternative, c'est le temps de la révolution, c'est le temps de la mobilisation générale des forces de la nation autour d'une vision commune, autour de la révolution, autour des grands enjeux géopolitiques et stratégiques que Haïti a fait face, autour de la résistance contre l'impérialisme étranger occidental, autour de la résistance contre l'ingérence occidentale en dedans pays. Faut nous clair sur ça, pas gagner à sortir de là. La révolution, journée aujourd'hui, c'est une nécessité historique. Nous sommes à un carrefour de notre, de l'histoire de ce pays, où des femmes et des hommes doivent mettre tête ensemble. Yo doit clair sur ça, pas gagner à sortir de là. Si nous, écoutez bien, m'a dit aujourd'hui là. Essayons d'en bagarre poser sénateur en question pour nous comprendre. Il y a des questions posées, sénateur, c'est pour nous-mêmes, nous poser. Et, tant qu'une question, l'offre pour pouvoir, ou dans l'élection pour pouvoir, et qui ça a empêché pas fini même la Jovenel, qui ça a empêché pas fini même la Dessaline, qui ça a empêché pas fini même la avec ces sénateurs de compte, leur connaît que pouvoir ça, système ça, son système, en quelque sorte, qui est dangereux, il est toujours prêt pour un coup d'État et même assassiner. Maintenant, comme dit nous ça bien, comme dit nous ça bien, je dis à la. Sénateur a répondu de façon très très sage, avec une prudence politique. Prudence politique, parce qu'en quelque sorte, il y a des façons où il veut, j'en prends pouvoir, j'en dirige pouvoir, les fonctions d'un paquet de réalité. Les fonctions d'un paquet de réalité. C'est bon, bagarre, vous allez paraître là, vous venez dire, ok, mais comment vous allez dire le pouvoir? Non. La conservation, la consolidation du pouvoir, faut y'a chita. Ok? Ok? Faut y'a chita. Pour nous capables, bref, pour y'a mettre des garde-fous. Et je mette merci infiniment, merci. Et merci en pile, et merci pacifique. Et donc, mesdames, messieurs, mon adaptant de là, c'est. Regardez, m'oublie nous mettre là. Regardez, il faut m'adapter ensemble avec nous. Parce que c'est très important. Et mon adaptant de la famille et son compatriote. Et où est son monde qui a parlé? Et lorsqu'on attendait, et monsieur, vous sentez son monde qui a parlé, son compatriote, qui est crise pays à lui-même, en dirait, eh bien, qui t'a remis sauté face ensemble avec crise. Vous sentez son monde qui a parlé vraiment. Yeah, vous sentez son monde. Hein? Son nèg la swap tande l ou ap santi fòt atande l net li gon vivacité, sa la di gon vivacité la dan. Donc comprenn, c'est très important. Et donc madame monsieur m kòm te pou mete nou ça, te pou mete nou m ta pote toute interview a pou nou. Et écoute président Guy Philippe li même li te réussi et jou ki te et ki jou mercredi ou jeudi et m kwè se yon nan deux jours sa yo. Et donc m ta parle nou de li. Et moi pas de joindre toutes et bien moi joindre ni te joindre en pile amis qui te dit nouvelle sur nouvelle ou mettre pote pour nous n'attendre et me connais gen des amis des familles et qui remet travail là et qui toujours supporter nous et me te fait ça et me te dit te mettre c'est nous peut-être c'est les mettre 5 10 et puis me connais ces bons amis qui toujours supporter nous même n'a mettre sur channel là et quelques potes même qui me connaît et gen l'autre ami l'autre compatriote k'ap rejoin ni et k'ap senti vraiment et nous té nan nécessité Guy Philippe et li parler et m kwè nou sou tande la li rendez-vous ensemble avec nous le 18 août et Jacques nou sou tande la nous mettre réveiller nous en lagan et en lagan nous même n'a pote l pou n'a veje ça. OK, son jou m capable di depuis 17 n'a bat pou ne pas dormir pou ne retande Guy ou même ou pas comprendre non. Elle me dit n'a veille comme ça ou pas comprendre
faut qu'on dans la situation pour comprendre parce que ça n'a vivre en Haïti là inacceptable. Nous supposons jeunes leaders capables d'aider nous qui comprennent et pour retirer nous dans ça qui nous y a sinon il est pas bon pour nous si mon style pas à l'école et gang a toujours gang sérieux pays il y a toujours fait kidnapping toujours fait ça au vle et parce que n'a regardé hier et a gagné tout le monde Noël en mois 100 jours et qui dit qu'on ça lui même les bloquer en zone pour 4 mois hein parce que pas gain l'état si t'es gain l'état dans pays à l'en mois 100 jours pour pas dire ça hein pour prendre autorité pour le dire comme ça les bloquer en zone pour 4 mois. Ok, c'est parce que par insécurité, pays a pas fonctionné et il n'a que fait ça ouvri et qui fait mais c'est lui-même capable de le doc. Et moi c'est là que nous-même nous mettez fin et pour aujourd'hui, c'est un plaisir de compter ensemble avec nous et j'aime dire nous, nous te promets nous un bon début. Eh bien, avant que vous-même vous quittez vidéo ça, c'est la première fois que je suis tombé sur channel là, m'a encouragé. Abonnez dès que vous finissez abonner, songez pesez la cloche notification là, son façon pour capable toujours être connecté avec nous parce que et c'est chaque jour n'a pas de petits détails. Pour voir la famille, moi, mais non, en pile, n'a pas croisé pour un autre détail.